Le conseil du jour avec Charles Greff, c'est approprié aujourd'hui pour les motos en route ou les motos double usage, en fait les motos à grand débattement. C'est comment embarquer là-dessus quand on est une personne de petite taille? Ben enfin, il y a des gens qui sont mal à l'aise, hein, oui. Puis là, ils n'ont pas les deux pieds qui touchent au sol. Alors, une façon d'embarquer, c'est qu'on met, on embarque évidemment du côté gauche et on met notre pied gauche sur notre peg gauche. Oui. Et on se lance, on engage la moto en mouvement. Aussitôt qu'elle bouge, on embarque sur la selle. Donc, et on ça, est parti. Ça s'applique, par exemple, quand on est en moto hors route et qu'on est dans la boue ou dans les racines, des choses oui, comme oui. ça? Oui, bien là, on sort d'une mauvaise situation, on pousse de côté. Oui. Et là, d'arrêter, ça serait de se remettre dans la même situation à l'arrêt complet. Mm-hmm. Alors, une fois qu'on est lancé, on embarque le pied sur le peg et on se lance tranquillement. On fait ça très progressivement. Et il y a certaines personnes qui utilisent cette méthode-là parce qu'ils sentent beaucoup plus confortable pour se lancer en moto. D'accord. Donc, c'est vraiment d'utiliser le momentum et de couler là-dedans pour se lancer sur la moto. Ça se fait en douceur. Mais on peut aussi s'acheter une moto plus petite. Effectivement. Ou on abaisse la suspension. Ou on l'abaisse. Merci, Charles. Au plaisir.